Magdalena, les trucs de c'est Thomas. Ah oui, oui, d'accord. Sans augmentation significative de nos rémunérations, sans reconnaissance de nos métiers et du travail accompli, nous faisons face à un management de plus en plus autoritaire, centré sur le chiffre et le rendement, entraînant une insupportable perte de sens au travail. Tout cela conduit à des arrêts maladie, des burn-out, des ruptures conventionnelles, des démissions, des licenciements pour inaptitude. Comble du cynisme, dans le privé, nos employeurs réunis au sein de, leurs organisations, NEXEM, FEAP, etc., prétendent défendre les salariés et l'attractivité de nos métiers, alors que nos salaires sont gelés depuis 20 ans. Nos patrons et le gouvernement voudraient conditionner, dans le cadre de la mission Lafourcade, des augmentations de salaire à la casse de nos conventions. Ce chantage est intolérable. Le bilan des politiques d'austérité menées est catastrophique, entraînant la marchandisation et la financiarisation du secteur, la perte de sens des métiers et la souffrance au travail. Pour la fonction publique, la charge de travail ne cesse d'augmenter. Les conditions de travail et le service rendu se dégradent. Le flux tendu en personnel est de plus en plus prégnant, d'autant plus dans ce contexte pandémique. La loi de transformation de la fonction publique remet toujours plus en cause la qualité du service et les conditions de travail, alors que la crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de se doter de services publics de qualité, détachés de toute considération marchande.
que les salariés et les agents sont précarisés, les étudiants ne sont pas épargnés, tour à tour utilisés dans les services pour combler le manque de personnel, avec une gratification de misère ou privés de lieux de stage. Le manque de moyens pour les formations n'est que la démonstration de la précarisation de notre secteur. La dégradation des services sociaux, médico-sociaux et de santé est généralisée et orchestrée. Elle a de lourdes conséquences sur les publics accueillis, accompagnés, soignés ou hébergés. Des hôpitaux de proximité ferment. Les services sociaux se transforment en plateformes d'enregistrement et d'orientation. Le temps est compté au détriment de la relation base du travail social. Les plus précarisés sont criminalisés. La conditionnalité et la continuité de l'hébergement social disparaissent, pour les étrangers notamment. Le manque de personnel et de moyens pour la protection des enfants et les jeunes majeurs est criant. Le handicap est peu ou mal soutenu. Les conditions de travail et les conditions d'accueil, d'accompagnement, de soins ou d'hébergement sont intimement liées. Gouvernement et patronat, main dans la main, dégradent nos conditions de travail et de facto nos accompagnements à coups de coupes budgétaires. Le problème d'attractivité serait-il uniquement un problème de salaire ? Que propose le gouvernement, nos employeurs, leurs fédérations et syndicats afin d'améliorer nos conditions de travail, reconnaître notre métier, nos métiers, notre engagement ? C'est à nous de nous faire entendre. Nous ne pouvons compter que sur nous. Nous, professionnels du social, de la protection de l'enfance, du médico-social et de la santé, revendiquons des revalorisations salariales, des créations d'emplois pérennes, ainsi que des moyens humains et financiers à la hauteur des besoins de la population. Nous revendiquons une politique sociale digne, loin de toute marchandisation. Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé au 1er février 2022. Ce n'est qu'en maintenant la pression et montrant notre détermination que nous verrons nos revendications aboutir. Assez de se faire maltraiter, agissons. Le social dans la rue, le social dans la rue, le social est en colère. Les salariés sont épuisés, pressurisés et bon nombre d'entre eux jettent l'éponge. La pandémie de Covid-19 génère un stress supplémentaire et provoque une accentuation des recrutements sans qualification, ce qui crée une dégradation des conditions d'accueil des usagers et du service rendu. Lorsque la motivation subsiste, c'est souvent l'état de santé qui ne leur permet pas de continuer leur activité professionnelle. Le personnel n'en peut plus de l'auto-remplacement qui provoque des pathologies comme des troubles musculo-squelettiques ou psychosociaux. Dans notre département, plusieurs services sont en interruption d'activité totale ou partielle, faute de professionnels. Devant les difficultés à recruter des personnels qualifiés et la fuite des salariés, comment les établissements vont pouvoir mener à bien leur mission auprès d'une population fragilisée et de plus en plus nombreuse dès qu'elle glisse dans la précarité, d'autant que l'éloignement des structures d'accueil amplifie ce phénomène. C'est être irresponsable de la part du gouvernement de limiter ainsi l'accès à une prise en charge d'une population fragilisée. La CGT revendique une augmentation salariale pour tous les salariés du social, du médico-social et du sanitaire d'au moins 300 euros afin de rattraper la perte du pouvoir d'achat de ces personnels. L'arrêt des fermetures de structures d'accueil
public et le glissement des activités vers le privé lucratif, des recrutements massifs de personnel qualifié dans les secteurs professionnels du soin, du social et du médico-social, des formations qualifiantes par le biais de la promotion professionnelle. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui, ça fait chaud au cœur, parce qu'on se rend compte que la lutte, c'est elle qui paye. Ouais, le social, on connaît. 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 Le social, Marshall pour la santé et le social. La question des salaires est importante, mais la condition du service public est aussi déterminante. Dans notre département, il faut que l'hôpital d'Auxerre, l'hôpital de Sens, l'hôpital de Joigny, l'hôpital de Migennes, l'hôpital d'Avallon, puissent continuer à accueillir les publics dans de bonnes conditions. Mais il faut aussi, comme le constatent tous les élus du département, qui se font la concurrence les uns et les autres, les communautés de communes qui proposent à des médecins libéraux, qui des supra maisons de santé extraordinaires, qui du matériel gratuit, qui des logements gratuits. Il faut multiplier aussi les centres de santé de proximité avec des médecins salariés qui pourront travailler avec le personnel social. Il faut créer du lien de la proximité. On ne peut pas accepter que les gens qui soient éloignés et qui souvent sont des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer n'aient pas accès aux soins. C'est inadmissible. Et tout ça demande un tricotage entre nous, le personnel de santé, et le personnel social. Nos luttes se rejoignent tant en termes de salaire qu'en termes d'exigence de services publics. La pauvreté s'agrandit, s'élargit dans le département. Moi, dans mon petit village, je sais qu'il y a plein de personnes âgées que je vais voir qui souffrent, qui ont des fins de mois difficiles, qui mangent des pâtes, qui mangent du riz, qui, quand on leur amène des choses du Secours populaire, ouvrent grand leurs yeux. La pauvreté devient aussi une pandémie. Il faut lutter contre la pauvreté. Il faut vraiment lutter contre la pauvreté pour eux et pour nous, pour qu'on arrête de crever de notre travail qui nous empêche de dormir et qui nous casse le corps. Donc, plan Marshall pour un service public de santé et un service public social qui soit à la hauteur des besoins. Personne ne doit rester du bout du trottoir, ni les professionnels, ni les usagers. C'est la priorité. La priorité est celle-là et pas celle ce qu'on entend quotidiennement sur CNews et toutes les merdes qui nous assènent dans
je dirais, par rapport aux hôpitaux. Hein. Je pense qu'il faut arrêter la tarification à l'activité qui a été mise en place donc, sous Sarkozy. Moi, j'ai bien vécu hein, dans mon passé d'infirmière, qu'effectivement, cette tarification à l'activité a réellement dissocié le soin, la qualité du soin, la qualité de l'être humain et de la rentabilité de l'acte. En fait, les services qu'on gardait, qu'on préservait, c'était ceux qui rapportaient effectivement à travers le soin technique. Le soin humain a été complètement mis de côté. Dans mon histoire, je dirais qu'on a réussi à gagner des choses jusqu'aux années 95-96. Il y avait des luttes importantes dans les hôpitaux, on arrivait encore à faire passer l'humain d'abord et avoir des moyens financiers, y compris du personnel supplémentaire pour mieux prendre des en charge, on en dit en soins, hein, c'est une vie comme ça qui change, qui évolue. On arrivait encore à gagner des choses. C'était un peu l'ère de ce qu'on appelait le budget global de l'hôpital. On arrivait un petit peu à jouer sur le budget dans ce cadre-là. Mais la tarification à l'activité a complètement, alors liée à la concentration hospitalière, elle a complètement diminué l'offre de soins. Donc ce qu'il faut dans l'immédiat, pour les hôpitaux, mais c'est aussi l'hôpital et l'extra-hospitalier sont extrêmement intriqués, c'est prendre les moyens pour augmenter l'offre de soins. La logique des gouvernements successifs a été de tout faire pour diminuer l'offre de soins via le manque de formation en soignants, en médecins, etc. S'il n'y a pas de médecins, on ne soigne pas. S'il n'y a pas d'infirmiers, on ne soigne pas. Donc l'angle qui a été choisi, ça a été on diminue l'offre de soins en ne formant pas de personnel. Alors là, bravo, hein, ils ont réussi. Rendez-vous pour le 1er février, prochaine date, qui a été arrêtée pour le médico-social et le social et le sanitaire. Je vous demanderai de vous rapprocher à la limite de vos syndicats pour donner un petit peu des informations sur ce qui sera fait, je vais y arriver, sur cette journée-là. Merci beaucoup et on lâche rien. On lâche rien, oui. Tu auras défendu les choses dans le timidité après, si derrière ça suit pas.